Et lui aussi, on l'attendait sur la piste du Stade de Lille. Vous le voyez au couloir 7, le Strasbourgeois Jeff Herrius. La pépite, il est junior première année et il a déjà couru le 100 mètres en 10 secondes 27 cette année. Ni plus ni moins que la meilleure performance européenne de la saison dans sa catégorie. On va voir ce que ça donne dès les séries. Avec des conditions parfaites et de la concurrence. Jeff Herrius, parti le plus rapidement dans cette première série du 100 mètres cadet. Junior, Badou Bereng Boss 10-47. Qui prendra probablement la deuxième place à la corde pour le FS Reims, le petit frère de Béranger Aymar. 10-47, une entrée en matière, tranquille pour le Strasbourg. 10-47 devant nul. La deuxième série du 100 mètres junior avec tout à la corde, Jérémy Dalcrazy, Ricardo Guadeloupe et à l'extérieur Supermood et Wilson Athletic. Tous deux sous 10-60 cette année. C'est Dany Degoul de la Favezin Vénitieux. C'est parti, c'est très bien parti pour Jérémy Dalcrazy et surtout pour Sean Bermude à l'extérieur. Sean Bermude qui va l'emporter en 10-48. 10-48 dès les séries. Ouais, quelle impression sur la fin de course là. Il a vraiment couru jusqu'au bout pour le coup. Mais très bon. Enfin, techniquement, c'était très propre. 10-47 même là. Temps légèrement corrigé. Et voilà, un record personnel. Première course sous les 10-50 pour Sean Bermude. Desson Athletic, vainqueur de cette deuxième série. Rangasamy au couloir 6, tous les deux ont couru 10-56 cette année. Et son favori, Mohamed Badru à la corde, parti très rapidement. Mohamed Badru vers un super chrono dès les séries de ce 100 mètres. 10-53, le vent légèrement trop favorable, plus 2,3 mètres par seconde. Mais la valse des gros chronos continue, Vincent, sur ces 100 mètres. Départ pour Apatoré au couloir de Chrysler Apatoré de l'US Bemao qui va l'emporter en 10-42. Bon régulier. 10-42, record personnel pour Chrysler Apatoré de l'Union Sportive Bemao-Sienne. Ouais, corrigé à 10-41. C'est costaud, le sourire est là, il a le droit d'avoir le sourire.
aussi, c'est le futur de la TS, c'est même le présent avec la première des deux demi-finales du 100 mètres junior. Et regardez ce garçon au maillot bleu, certi d'étoile. C'est le maillot du Strasbourg Agglomération Athlée. C'est celui de Jeff Arius, le meilleur performeur français de l'année. 10-27. Et là, on... bien parti pour Shane Bermude notamment, mais regardez Jeff Arius qui commence à faire son effort. Jeff Arius qui va remporter cette première demi-finale des juniors. Le chrono, 10-25. Bon régulier, 10-25. Meilleure performance européenne de l'année. Jeff Arius du Strasbourg Agglomération Athlétisme qui régale dès la demi-finale. 10 secondes, 24 le temps corrigé. Et attention, parce que là, ça se pose dès les demi-finales. Jeff Arius, la pépite, on vous l'avait dit, 10-24. En finale. Je crois que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Ah, puis là maintenant tout le monde est sûr que la piste est rapide, que les conditions sont bonnes et tout le monde croit en ses chances. Là, c'est un cercle vertueux. Exactement, c'est sûr. Tout à fait. Par contre le vent s'est levé, alors c'est bien pour le chrono, mais j'ai peur qu'ils soient un peu trop favorables. Comme Philippe Lénier. Deuxième demi-finale du 100 mètres, le super départ de Chrisley Appatoré. Oh la bagarre entre Badru et Appatoré. Appatoré vers le chrono. 37-10-37. Ah, on l'avait dit, on l'avait senti le vent un peu trop fort. Mais qu'est-ce que c'est que ce 100 mètres junior? 10-37 pour Chrisley Appatoré, c'est incroyable. Des records perso ou des records de la saison. Bon, malheureusement avec un vent un peu trop favorable, mais... Ces garçons vont tenir la promesse du spectacle qu'on vous annonce.
vraiment cher, tombe. Facilité dans sa demi-finale qu'on peut imaginer qu'il peut encore faire mieux. Un Pastore qui est très très bien parti dans cette course, Bermude également. Et regardez Jeff Hurlius, là un super chrono. Attention, le chrono pour Jeff Hurlius, le champion de France en 19. 10 secondes 19 pour Jeff Hurlius avec un vent un tout petit peu trop favorable. Incroyable le Strasbourgeois, j'espère de faire lui champion de France en 10-18-800 mètres. On peut dire ce qu'on veut, plus de 7, mais le chrono il est fait. Ouais, fabuleuse course. Incroyable, il est en 10-18, mais il est pas loin devant les autres. C'est-à-dire que le podium des championnats de France va se jouer sur des valeurs. Regardez, on voit cette solidarité. Là vraiment. Quel spectacle ils nous ont fait ces garçons à Pastore, Bermude, Hurlius. On rappelle quand même parce qu'on a tendance à l'oublier que Jeff est né en 2004. Ah oui, oui. Donc c'est un encore, junior première année. Encore toute une saison estivale pour. Incroyable pour Jeff Hurlius. Regardez cette densité Hurlius qui l'emporte devant Pastore et Bermude. Et alors là vraiment. Très en ligne, je trouve. Enfin, ouais. Ça ne se désunit pas, c'est vraiment admirable techniquement, de maturité. Bon,